can't fight it anymore. Not on my own. Where are you? I want to be with you. That night, she gave up on her world to follow in the footsteps of her mother. To go to a place where the darkness couldn't reach her. Simon, look at me. Calling for me. We've lost so many. And I've lost my father. I can't lose you. You said I have blood on my hands. I didn't say that. You've done nothing wrong. Zimbal is a fake. He is a hateful, bitter liar. He's poison. And his words still haunt you. Who do you trust? Him? Or me? Do you still believe in Zimbal? No. Les yeux globuleux. He gave her the sword with which to fight in more ways than one. And she gave him her word, never to surrender. All she needed was a little help. A little hope. Elle est de plus en plus dégueu. En tout cas, tout ce segment était super chouette, quoi, avec les visions de l'enfer toutes dégueulasses, hein, et les bonnes bastons bien tendax, bien dynamiques, c'était cool, quoi. Into the mountains. Can you see? Shall we tell them where to go? It's not far. Go, go. Look up. Just up there. Foutez-moi la paix. Shall we take them to the Does she know which way to go? Does she know where we're going to the mountains? Who is he? More blessings.
I will tell you of a great hero named Sigurd, son of Sigmund. C'est un peu le Seigneur des Anneaux ici. After his father's death, Sigurd is cared for by the dwarf Rayan. But Rayan does not love the boy. Instead, he plans to use him for his own ends. You see, Rayan's father possessed a great treasure given to him by the gods. But Rayan's brother, Fafnir, killed his father and took the gold all for himself. Fafnir hid the treasure out on a heath and could not leave it. And from the evil in his heart, he turned into a dark creature, a dragon. It can smell your stink. What are you afraid of, Senua? How would you say Dillion if you are too much of a coward to step into the shadows? They can't stop me. Then do it. The beast is stalking you from the shadows. Your sword is useless here. Your father wants them to go away, and he only hurts me to silence them. But he's gone now. They always come back. He says I will die if I go with them. They say that I'm already dead. No, and that he won't be with them. Stop! That's why they crawl through the walls. Don't do you see them? Do you see their faces? Oh non. Je me disais, j'espère qu'il n'y aura jamais de retour de ces trucs, mais si, si, voilà. And the first time she felt the cold chill of fear. I don't talk much about her father. Elle a un peu traversé la grille n'importe comment. Et ah tiens, bienvenue dans Tomb Raider. I didn't want to risk upsetting her. But it doesn't matter now, does it? Get through it as quick as you can. The panic is coming.
putain, mais ça. Voilà. Rain the dwarf's sole desire is to possess this dragon's accursed treasure, and he uses Sigurd to reclaim it. He tells Sigurd the story of Fafnir's gold, and the good-hearted hero promises to slay the dragon if Rain would forge a strong sword for him. Sigurd remembers that his father once possessed a sword given to him by Odin. Odin broke the sword to bring about Sigmund's death, but Sigurd's mother still has the pieces. And so Rain reforges the famous sword. Sigurd uses the sword first to avenge his father, and then he and Rain go in search of Fafnir. Merde, je recule. Il y a vraiment des purs sons, hein. Il y a un boulot quand même sur le sound design qui est assez incroyable dans ce jeu. Non, non, il a vraiment des qualités, hein, mais... Mais là, ça devient un peu plus du Zelda, ça devient un peu plus du vrai jeu, même si là, bon, on est de nouveau dans une de ces énigmes à la con que je déteste. Au moins, il y a un peu de l'exploration, on est un peu libre de ses mouvements, parce que le jeu était vachement sur un rail depuis un long moment, et ça faisait un peu chier. Mais là, il trouve un bon rythme depuis un petit moment, depuis les énigmettes à l'arbre, en gros. Ça s'est accéléré, c'est pas mal. Et les voix sont beaucoup plus cool qu'avant, quoi.
C'est bon, hein, j'ai pas besoin de consignes. C'est bizarre cette façon de dropper du BG. Je sais pas, je suis vraiment pas très fan parce que bon, ça sert à rien quoi. Je me dis ça peut être droppé de façon beaucoup plus intéressante parce que là on n'a pas envie d'y prêter attention, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Alors d'accord, c'est bien malheureux, son petit scénario, il faut bien qu'il le découvre d'une façon ou d'une autre dans le jeu, mais je sais pas, j'aime pas cette façon là de faire. Je suis persuadé qu'il y a des façons beaucoup plus intéressantes de distiller ça dans le jeu, quoi. Putain, mais je trouve pas où il faut aller là, par contre. Quel point j'ai loupé là? Quel accès? Là, je retourne où j'étais il y a 5 minutes. Putain, merde, je tourne en rond. D'accord. She escaped the darkness, and she's with the gods. But what if they lied? What if the darkness took her and trapped her here? It's a trap. The beast is coming. Run away from me!
Father's keeping me away from the others. Away from Tilly. Ce que j'apprécie pas trop, c'est que ce genre de truc là, ce genre de scène. Bon, il faut bien sûr que les films et les jeux trouvent une façon d'exprimer ce genre de choses, mais c'est tellement théâtral parce que quelqu'un qui serait vraiment dans de l'introspection ne ferait pas ça. Le penserait ou je sais pas quoi, mais ne ferait pas, ne dirait pas ça comme ça en prenant la pose et en faisant des grimaces, quoi. Il y a un truc quand j'étais plus jeune et qui était sorti Eyes Wide Shut. Je l'avais regardé une première fois et il y avait un truc à côté duquel j'étais passé, quoi. Et quand j'ai rematé le film, le truc qui m'a scié, c'est qu'il y avait des dialogues, enfin pas des dialogues, mais des scènes où le fil des pensées du personnage principal était entièrement clair pour moi, mais n'était exprimé à aucun moment par du texte parlé, quoi. C'était des scènes d'introspection, mais intégralement jouées par la mise en scène, quoi. En gros. Bon, c'est aussi des ficelles un peu vulgaires, hein. On a des images et tout qui te font cheminer mentalement. Mais, disons, c'est le moment où j'avais vraiment eu une espèce de révélation sur les outils du cinoche, le fait que, par les images, on pouvait suggérer presque du texte, la pensée d'un personnage intégralement, et la suivre uniquement par le jeu, les images, la mise en scène, la musique... des jeux de lumière et tout. Et autant j'ai rien contre le théâtre, le jeu et le texte font partie des trucs de mise en scène, hein, mais disons, un média visuel doit pouvoir se démerder de façon visuelle, quoi. Pour raconter, pour transmettre des émotions et raconter son histoire. Je dis pas que ce soit muet et qu'il y ait rien de théâtral, mais essayer de réduire ces choses-là pour garder, j'ai un peu envie de dire, un aspect naturaliste. Mais c'est un peu con de dire ça, mais j'aime pas la sensation de créer de l'émotion un peu bêtement par du texte, parfois, quoi. Genre pas pouvoir s'empêcher de faire « Maman, pourquoi m'as-tu abandonné ?» des choses de ce genre. Quand la réalité d'une émotion de ce genre est beaucoup plus tue et contrite. Les gens qui ressentent de l'abandon ont souvent du mal à l'exprimer. Ou alors quand ils l'expriment, c'est d'une façon... Oh putain, merde, là je suis mal barré.
l'exprimer par autre chose que du dialogue ou des termes qui sont pas forcément ceux qu'on pourrait croire, des mots qui trahissent des pensées et qui justement les cachent, créent de la retenue. C'est rarement exprimé comme ça, platement, ce genre de choses. Que je fasse un putain de cut. Faut que je fasse mon putain de cut dans quelques minutes. Et je suis en train de crever, c'est super. Allez. Mais comme il me suivait malgré la furie là. Faire le cut. Allez, à tout.